Madame Carberry, vous présentez Monet Marthe dans le quintet de ce vendredi en bas de tableau. Bah, qu'est-ce que vous pensez de sa dernière prestation à ce niveau justement? On était très contents de Monet Marthe la dernière fois. Ils sont pas allés très vite du tout. C'est plus une jument qui a pas mal de tenue et qui a un petit changement de vitesse, mais c'est pas non plus son point fort. Donc, dernier tournant, je pense que le jockey pensait très bien courir. Et puis finalement, elle manquait juste un peu de vitesse. Donc, sixième, c'était pas du tout mal. Après une longue absence et juste une petite course à Marche Cool où elle manquait pas grand-chose pour gagner. Mais je pense qu'elle va être mieux avec une meilleure enfin, un quartier sur les jambes. Ça va la préparer un peu mieux pour cette fois. Enfin, j'espère. Ouais, justement, comment elle s'est préparée depuis à Sonone? Très bien, elle a l'air d'avoir très bien récupéré de la course, elle est belle. Je l'ai travaillée ce matin, elle a l'air bien. C'est une très bonne sauteuse. Le jour qu'il l'a connue maintenant, c'est déjà un point, un bonus. Pour moi, si elle peut juste. Elle n'a pas grand-chose à faire sur la dernière performance, c'est vraiment là. Si elle a juste un petit peu plus de train, sinon son jockey, il va savoir avancer un peu plus de bonne heure. Et ça va changer le résultat un peu, je pense. Quels sont les points de comparaison avec sa sœur, Is Jennifer? Sa sœur a été très qualiteuse aussi. Le matin, Monet Marthe montre pas mal de qualité aussi. C'est deux très très bonnes sauteuses. C'est deux juments qui se donnent sur la piste le matin et l'après-midi. Celle-là, elle a eu un problème à 5 ans qu'on a réussi à régler, qui explique les contre-performances du printemps de 5 ans. Mais je pense qu'elle a quand même pas mal de qualité, comme sa sœur. Sa sœur, c'était surtout une nageuse. Celle-là, elle n'a jamais vraiment eu une piste lourde, donc on verra, mais pour 7 fois, c'est pas grave, faux, c'est pas lourd. Les deux, elles ont la qualité, elles sont faciles, bonnes sauteuses et très honnêtes. On a l'impression que qu'elle est apte un jour ou l'autre de peut-être de remporter ce genre de course. Moi, je croise les doigts, mais je pense, pour moi, c'est un peu dommage qu'elle n'a pas encore gagné, c'est peut-être ma faute d'ailleurs. À 4 ans, elle n'était pas loin, et puis fin année de 5 ans, et puis cette année, elle n'était pas loin aussi. Donc, je pense que vraiment, elle mérite de gagner une belle course. Ouais. Et si elle s'imposait pour sa première fois dans un quintet, vous seriez surpris? Moi, je ne serais pas surprise, mais bon, je serais contente, on va dire. Heureuse, plutôt. D'accord. C'est pas une surprise parce que je crois en elle, mais c'est toujours compliqué de gagner ces Oui. grandes épreuves. Elle aura les Australiennes comme la dernière fois, probablement. Oui, je vais remettre les Australiennes juste pour être sûr qu'elles soient vraiment à 100% sur ce boulot. Ça a pas mal, ça a pas assez mauvais effet la dernière fois, donc pourquoi pas. D'accord. Ouais, ça sera une belle récompense pour ses propriétaires si elle recourt bien. D'accord. Très bien. C'est passé.